démarche chirurgicale que je porte, il est dit que chaque agent de santé devra en avoir deux par jour. Parce que considérant que le masque, il est efficace pour 4 heures de temps, chaque agent fait 8 heures sur son poste de travail par jour. Et donc, il faut deux masques par jour. Nous avons fait une tournée à l'intérieur du pays. Et il y a 2 semaines de cela, il y a des centres qui ont à peine un masque par jour. Mais c'est le discours qui est tenu au plus haut niveau que les masques sont disponibles et distribués aux agents de santé, ce qui n'est pas vrai. Donc, si vous parlez des équipements de protection individuelle, non, on ne les a pas en quantité suffisante. Alors, y a-t-il une implication du CERCOT? Oui, au niveau de la cellule de gestion de la crise, on participe aux réunions qui sont faites de façon périodique, d'abord tous les jours au début de la pandémie, et maintenant ça se fait 3 fois par semaine. On essaie de proposer ce qu'on peut. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, cette cellule au niveau du ministère aussi n'a pas force de décision. La décision se trouve au niveau du CNGR et des fois, certaines décisions ne passent pas. Covid-19 comme maladie professionnelle. Merci, monsieur Avignon. Nous cessons de le répéter depuis le début. Alors, nous avons exigé à tous les agents de santé, dans leur formation sanitaire, vous êtes déclaré positif à la Covid-19, votre responsable des ressources humaines doit le déclarer à la caisse comme maladie professionnelle. Nous, on l'a dit, on le dit à nos agents. Alors, si après, au niveau des organes qui s'occupent de ça, il y a des blocages, on saura ce qu'il faut faire. Mais nous, nous entamons la procédure de maladie professionnelle. Parce que, comme vous l'avez dit, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on ne sait pas, le seul virus ne nous a pas encore montré tout ce qu'il a dans le ventre. On peut avoir encore des surprises, on peut avoir des séquelles qui peuvent se développer dans 10 ans parce que quelqu'un aura contracté cette maladie. Et vous avez raison, il faut peut-être l'étendre aux autres secteurs, quelqu'un qui des gens qui travaillent dans le même environnement et qui se trouvent être contaminés ensemble, qui puissent être protégés aussi. Monsieur Pascal Nyamembe, merci d'avoir dit, ce n'est pas les acteurs de la santé qui doivent parler du droit de la santé. Certes, ils sont l'élément principal, mais il y a d'autres acteurs. Il faut mettre en place tous ces acteurs-là pour pouvoir aboutir à des solutions adéquates pour le milieu de la santé. Et mon cher ami Jean-Paul Lepour, on me dit d'arrêter. Mais je te dirais que le PNDS, il est mis en place tous les 4 ans. Vous avez bien vu ce que vous avez dit. Il est mis en place tous les 4 ans, mais il n'est jamais appliqué. Le PNDS que vous avez vu, c'est celui qui est actuellement appliqué. Vous prenez l'ancien, vous retrouverez des plans de financement qui auraient été faits, mais qui n'ont pas été appliqués. Alors aujourd'hui, on dit 400 milliards pour la Covid-19. Je ne sais pas, il semble que les 400 milliards, ce n'est pas seulement pour le secteur de la santé, mais c'est pour même le secteur économique et tout pour relancer les entreprises. Collaboration, c'est votre gouvernement. Attitude revendicatrice, ce qui est normal, vous connaissez votre environnement politique et socio-économique depuis des années. En 2005, je peux dire qu'on était chien et chat. Si ces 2 dernières années, il y a beaucoup de points qui se sont rapprochés, on va plus dans le sens du dialogue que de la revendication. Et nous continuons le dialogue. Et c'est pourquoi depuis 2 ans, le Saint-Fort n'a pas jugé bon d'initier des grèves, mais d'aller à chaque fois à la table de discussion. Et cela ne serait très bien. Le groupe de travail de documents, il regroupe tous les problèmes du secteur de la santé du Togo et les solutions qu'on peut lui apporter. J'en ai terminé. Merci. Merci.